toutes et à tous les amis, c'est Kazuka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur LEGO Marvel's Avengers. On est tout de suite parti, il faut qu'on réponde à l'agent Coulson. Comment je fais? Je ne sais pas comment je fais. Réponds Anthony, s'il te plaît. Attends. Ah bah ça va déjà être une première épreuve de trouver comment on répond hein. Bah non, c'est pas ça. Mais comment je fais? Vous ne devriez pas répondre? Ça semble assez sérieux. Phil est bouleversé. Son prénom, c'est Agent. Ok, je crois que je ne peux pas répondre, en fait, tout simplement. Faut juste que je fasse ma vie, quoi. Ensuite, qu'est-ce que ça a fait? J'ai pas vu ce que ça a fait. Vous parlez à l'androïde de Tony Stark. Laissez un message. C'est urgent. Laissez-le d'urgence. Intrusion. Monsieur Stark. Phil, approchez. Nous faisions une petite fête. Pourquoi Phil? C'est au sujet des Avengers, dont je n'ai jamais entendu parler. Je croyais le projet abandonné. On m'avait même rejeté. Ça aussi, je l'ignorais. Je suis apparemment imprévisible, narcissique, mauvais équipier. Ça, je le savais. Il ne s'agit plus de profil. Ah, les fameux dialogues. Les fameux dialogues. Ça, c'est vraiment génial dans ce film. Dans ce jeu, c'est que ça reprend les dialogues exacts du film, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Peut-être une pièce violette, là-haut? Non. Pas cette fois. Allez, hop. Allons-y. Tac. Et voilà, parfait. Enfin, parfait, mais je vois pas à quoi ça va me servir. C'était pas dans le film, ça. Ok, faut qu'on répare ça avec Tony. Pas de soucis. Et on n'aurait pas tout simplement pu ouvrir la porte. Enfin, je veux dire, ça aurait coûté moins cher, ça aurait été plus rapide, ça aurait fait moins de dégâts. Vraiment, là ça sert pas à grand chose quoi. Allez Phil, à vous, tac. Parfait. Ok, et ensuite? Ok. Ah, ça va être à Tony, ça, de le faire. Passez-moi Tony, s'il vous plaît, merci bien. Ok, allons-y. Consultation toutes les deux semaines, le jeudi de 8h à 17h. Ce n'est pas une consultation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... ça. Waouh, d'accord. Je prends le jet pour Washington dès ce soir. Tu as du travail. Beaucoup de travail. Pauvre Captain Steve Rogers, un homme hors du temps, dans le sens littéral. Quand il est devenu Captain America, il a vécu des tas d'aventures et a affronté des ennemis incroyables. Je me demande si l'avenir sera différent pour lui. Enfin, le Captain a affronté des adversaires étranges, mais aucun aussi dangereux que Crâne Rouge et Arnim Zola. Heureusement qu'il a pu compter sur Peggy Carter et son ami Bucky Barnes. Ok, nous voilà dans le petit club de boxe de Steve Rogers. Le fameux, le fameux. Ah, on a déjà un petit point de sauvegarde ici, bah allons-y. Hein. Hop, ça coûte rien. Voilà. Alors, il faut qu'on construise quelques trucs. Oh, il a la rage, Captain, là. Il a la rage. Nice. Ok, tac.
Et go. On doit construire ça. Qu'est-ce que ça va être? Ok. Bah pas grand chose apparemment. Nick, ça doit être à vous de viser ça, je pense. Et voilà. Et tout de suite, on a notre petit punching ball. Allez, matraque-le. Ah oui, ça rigole pas ici. Ça rigole pas. Nickel. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux constructo? Ah, Stanley, mon dieu. Quel génie. Quel génie, quel génie. Ok, on construit ça. Ça va être un petit mannequin qu'on va bien réduire en miettes, j'imagine. Il va pas en rester grand-chose du mannequin. Ok, tac, bam, et allons-y. Hop, comme tout à l'heure, hein, ça commence doucement et ça termine la tête à l'intérieur des épaules. Hein. Et voilà. Comme prévu. Ok. Et donc là, ça nous donne de quoi construire le dernier truc, peut-être? Ah non. Mais ça nous donne de quoi sauver Stanley, ça, par contre, en revanche. Est-ce que Nick est assez... Ah oui, Nick peut le faire. Bon, bah nickel, allons-y. Oula, mais ça va pas le sauver, Stanley, là! Ça va pas le sauver du tout! Attention, monsieur Lee! Bah, j'ai essayé de vous prévenir. Ah, c'est pas le Stanley à sauver, tiens, apparemment. Bon, bah, nickel, alors. Nickel, nickel. Ok, nous, faut qu'on construise ça. Allez-y, Mr. Fury! Tac. Et voilà, maintenant à vos tours, Captain. On récolte vite fait les petites pièces hein, qui tombent. Ok. Et on y va. Hop. J'ai l'impression que le True Believer est plus difficile hein, sur cet opus que sur le précédent. Je sais pas ce que vous en pensez. Et boum. En faites pas, Jean Carter. Je suis Captain America Velar plus qu'un vieil Allemand pour m'arrêter, ok. Allez, la petite sauvegarde. Tac. Allons-y, ok. Ensuite, il faut qu'on aille par où, nous, avec Bucky Barnes. Tac, bah par derrière, j'imagine. Hein. Je vois pas vraiment d'autres issues. Mais je vois pas vraiment quoi faire ici non plus. Hein. Tac, l'alarme est très forte. J'espère qu'elle va vite se couper parce que... Ça va vite devenir ennuyant et entêtant si elle reste. Ok, tac. Parfait. Oh, laisse-moi tranquille, toi. Ok, nickel. Bon, ça me dit toujours pas quoi faire, hein. Et où? Ok. Là, c'est pareil, hein. Ça... Oh, bah, pas la tête. Ça nous aide pas vraiment. Viens, Bucky, hop. Voilà, alors ça, c'est l'attaque de base que tout le monde a en équipe. Bien sûr, Herr Schmidt. Activation des canons défensifs. Donc là, si je comprends bien, le mec, il sait que j'ai un bouclier indestructible. Il fait quoi? Il me lance un missile dessus. Il est stupide.
Ce mec est stupide. Bon, c'est pas grave. Ok, tac. On continue d'éteindre le feu. Captain, pompier. Tac. Allons-y. Ouais, mais je vois pas en quoi ça va m'aider, ça. Je vois pas en quoi ça va m'aider. C'est avec Bucky. Ok, très bien. Alors, allons-y avec Bucky. Tac. Ah, et lui a un grappin. Ok, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Allez, la petite grenade maintenant. Toi, tiens. Parfait. Ok, le petit bouclier qui fait pas plaisir. Tac. Comment est-ce que je vais pouvoir détruire... Aïe, le bouclier. That is the good question. Toi, tiens, tu m'énerves. Voilà. Alors. Ah, il tombe tout seul, nickel. Fallait juste attendre un petit peu. Et ben c'est parfait. Allez, Bucky, c'est de nouveau à toi. Vas-y, mon pote. Fonce. Tac, parfait. Et vas-y, ta petite grenade. Hop là, avec le petit lancer bien classe, ça j'adore. Ça j'adore. Que les suivants seront mieux, docteur. Ma patience a des limites. Oui, Herr Schmidt, je ne vous décevrai pas. Vous êtes malade, capitaine. Vous prétendez être un simple soldat, mais en vérité, vous avez peur d'admettre que nous avons abandonné l'humanité. Moi, je l'assume fièrement, sans aucune peur. Mais c'est bien là la différence. C'est bien là la différence. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il est en train de nous libérer des trucs pour que je construise après, j'ai l'impression. Non? C'est moi qui fumais. Ok, bon, alors on détruit ce canon-là également. Dépêche-toi, Bucky. Perds pas trop de temps. Tac. Et la petite grenade, comme d'habitude. Bam. Et bam. Parfait. Et ben voilà. Je croyais que ces canons étaient le mec plus ultra, docteur. Ah, c'est le cas, Herr Schmidt. Ah, mes calculs sont toujours bons. Ça n'aurait pas dû arriver. Mais aurais-tu oublié que je suis Captain America et qu'il en faut plus pour m'avoir? Eh oui. Et j'ai pris l'accent du Captain Sanders, du Colonel Sanders. C'est pas un mec un peu baraque avec deux flingues qui va me faire peur, hein. Exactement. Merci, Bucky, pour cette réplique un petit peu trop ringarde à mon goût. Allez, vas-y, lance ta grenade là-haut. Tac. Captain, à ton tour. Bam. Qu'on puisse passer. Allez, défier ce monsieur un peu musclé, là. Voilà. Bonjour. Ok. Vas-y, Bucky, viens. Hop. Mince, je voulais pas changer, c'est pas grave. Ok, nickel. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça c'est à Captain de le faire. Wow, 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 wow. Incroyable. Non mais calme-toi, mon... frérot. Calme-toi, merde. Tiens, vas-y. Mets-moi ton laser dessus, là. Ok. Ah, ça te fait rien? Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas vrai. Mais t'es stupide, Captain. Tu es stupide. Mais non, je voulais pas ça. Ouais, bah ça j'ai bien compris, mais ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Oh, merde. Merdoum, hein. Vas-y, arrête. Tiens. Ok, oh, il fallait juste faire ça, mais quel enfer. Quel enfer. Non, reste dans l'ascenseur. Allez, on monte, on les suit. J'aimerais
manqué. Évidemment qu'il y a une autre entrée. Tac, ton grappin, bam. Allez, allez. Ok, tac, allez, on monte. Suis-moi, Captain. Hop, et on ouvre cette little porte pour pouvoir suivre Arnim Zola et Herr Schmidt. On dirait des noms de catcheurs, c'est terrible. Ils nous suivent encore. On doit filer, ce n'est pas grave, docteur. Hydra ne capitule pas. Voyons comment Captain America peut gérer cette situation. Steve, Captain Rogers. Oh non, j'espérais que la radio serait réparée depuis le temps. Crâne Rouge doit être tout près de votre position. En fait, vous l'affrontez sûrement déjà. Bonne chance, Captain. Allez, Captain, on les tient cette fois. Bien sûr que je l'affronte déjà. Allez, oh, attention, Captain. C'est pas passé loin. Quelque chose me dit que Crâne Rouge va regretter d'avoir fait ça. Oh, bien sûr qu'il va le regretter. Bien sûr que oui. Ok, tac. Mais laissez-nous tranquille. Oh, enfin. Ça, c'est vraiment cool. Captain, il est vraiment mieux à jouer cette année. Il a des jolis coups, des jolis combos de coups. Son double saut, il est également plus joli que l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Je dis l'année dernière parce que c'est un jeu précédent. Ça, c'est un vieux réflexe que j'ai. Mais ouais, dans l'opus précédent, son double saut, c'était juste un double saut classique. Là, il roule derrière son bouclier comme ça. C'est méga classe. Ok, tac. Allez. On suit Arnim Zola, on va pas lui laisser une seule chance. Hein. Je te soutiens jusqu'au bout, mon pote. Si on manque notre coup, on sera fini sur le champ. Remuez-vous, les insectes. C'est bon, cette fois. La radio va fonctionner sans problème. Captain Rogers, répondez. Toujours rien. Ça, c'est contrario. Essayez de progresser à l'avant du train. Arnim Zola ne s'en tirera pas cette fois. Nos infos indiquent que Zola est dans le premier wagon. On va avoir besoin de lui pour attraper Crâne Rouge. Ok, on va le rattraper, ne t'en fais pas. Juste la petite sauvegarde juste avant. On a eu un petit mini-kit en plus. Ça, c'est mon instinct de joueur Lego hein, qui a tout de suite dit. Oh, il est là. Clairement, il est là. Je peux pas les péter hein. Ah, si, je me disais bien. Voilà. Allez. Mourez. J'ai détecté des êtres là-bas. Défense activée. Tout le monde à son poste. On dirait qu'on a de la compagnie, Captain. Ah. Merde. Belle phrase. Très belle phrase de Captain. Ok, bon, comment je fais, moi, pour péter les défenses. Peut-être que je casse ça. Eh ouais, c'est ce qui me semblait. Tac. Non, ça disparaît au final. Non, ça disparaît pas, je dois juste en avoir d'autres à casser, je pense. Si, ça disparaît. Je sais plus, c'est terrible. Oh. Bon, alors si c'est pas comme ça, comment? Ah, faut juste que je lance mon bouclier dessus. Ah ouais, d'accord, moi je cherchais compliqué, eux ils sont pas fait chier quoi. Nickel, ça c'est pour la sorcière rouge, forcément on ne l'a pas aujourd'hui. Elle n'arrivera que plusieurs années plus tard. Hein. Et quand je dis plusieurs années, ça se parle en dizaines d'années, évidemment. Encore eux? Où Hydra dégote tous ces types? Ah, on se sent submergé, pas vrai? Bien. Alors, je ressens beaucoup d'émotions, hein, mais submergé, c'est vraiment le truc que je ressens pas pour le coup. Hein. Ok, nickel, tac, tac, voilà, the fire is éteint, allons-y, construisons cette chose, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que tu nous as construit, Captain, ça sert à rien. Ça sert à rien, Captain. Construis des trucs qui ont une utilité, enfin.
Bon alors attendez, moi si je suis toujours en bas, c'est qu'il y a une raison, je dois avoir un autre truc à construire, voilà. Allez, nickel. Tac. Ok, parfait. Et tourne la manivelle. Ok. Sympa, je comprends mieux. Oh, 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 oh. Ah oui, ah, mais si je me rate. Ça va pas m'aider. Ok. Bah attends, mais c'est moi qui suis nul, c'est pas possible. Il est où, Bucky? Ah, il est là, ok. Bah oui, je comprends mieux, forcément. Mais... il est stupide. Oh. Ok. Vas-y, je t'en prie. Ah, j'avais mis mon bouclier, pourtant. Aïe. Ça va pas la tête. Tiens. Bouffe. Allez, allez. Et voilà. Bam. Mais... meurs à la fin. Tiens, voilà. Oh, c'est pas vrai. Bucky, je vais avoir besoin de toi pour ça. Hein. Je vais avoir besoin de toi. Tac. Ouais, je t'amène ça. Je t'amène ça. Puis on n'est pas tous des super soldats. C'est juste le temps que tu le deviennes. Hein. Ok. Allez, voilà ton grappin. Tu peux y aller. Monte. Nickel. Et lance tes petites grenades là-dessus. Hop. Ok. Ok, voilà. Allez, on continue notre épopée sur le toit de ce train. Wow, wow, wow. J'avais pas vu. Ok, tac. Allez, Captain. Mais qu'est-ce que tu me fais? Oh, bah oui, non mais d'accord, mais... oh, qu'il est nul, ce Captain. Qu'il est nul, qu'il est nul. Bon, on se calme, messieurs, s'il vous plaît. Vas-y, Bucky, viens. Il commence à m'énerver. Ah, c'est pas Bucky, ça. C'était pas Bucky. Ok. Oh, je suis tombé. Tenez. Oh, mais il est stupide, Captain. Enfin, mince. Oh, quel trou duc. J'espère bien que t'as gardé le meilleur pour la fin. J'espère bien. Allez, Captain, ça va être à toi. Tac. Ouais, ouais, bah, Captain, t'es bête aussi. C'est juste ce qui doit être fait. Mais arrête de te mettre dans le rayon. Construis ta plaque là plutôt. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'il est stupide ce Captain America. Allez, et on va le faire cramer. Tac. Voilà. Ah, ça rigole moins maintenant, hein. Tac. Bon, laissez-nous tranquille. Laissez les grands dans la cour des grands. Et les petits dans la cour des petits, s'il vous plaît. Oh, vas-y, Bucky, occupe-t'en. Moi, je m'occupe de faire le pompier, encore une fois. Ok, allons-y. Qui est en danger. J'arrive, j'arrive. Évidemment, hein, on connaît tous cette scène atroce. Tac. Captain America. Bucky, accrochez-vous. Oh ah, donne-moi la main. Vous êtes en mission, monsieur? En effet. Pour me renvoyer dans le monde? Pour le sauver. L'arme secrète d'Hydra. Demain, Hydra deviendra maître du monde. Et volera vers la victoire sur les ailes des Valkyries. Vous auriez dû le laisser au fond de l'eau. Ok, niveau terminé. Ah bah c'était un sacré niveau, un peu plus long je crois, j'ai pas mis mon timer aujourd'hui. Comme on est sur Lego Marvel, je sais que ça prend moins de temps et que j'ai pas besoin d'en mettre un. Mais j'ai l'impression que le niveau était un peu plus long.
on a retracé l'histoire de Captain America et de Bucky, évidemment. On débloque Bucky, on débloque Captain aussi. En classique, on avait déjà le Captain America d'Avengers 2. On débloque Steve Rogers en Godbox aussi, parce que c'est un personnage indispensable au bon fonctionnement de ce jeu, vous vous en doutez. Ok, forcément, pas de Stan Lee, un mini-kit et pas de personnage ni de briques rouges. On s'en doute bien. C'était un bon petit troisième épisode, hein. On se sera bien amusé. Allez, la petite cinématique et on s'arrêtera. Qu'il se prépare, je les mènerai vers le glorieux combat. Votre ambition est médiocre. Nous voyons par-delà la Terre les mondes infinis que le Tesseract nous révélera. Mais vous ne l'avez pas encore. Vous aurez votre guerre. Ça ? Oui, l'iridium. Ça forme des antiprotons dans les météorites. C'est dur à trouver. Surtout si le SHIELD le sait. Que vous faut-il ? Un moyen de diversion. Par ici, Captain Rogers. Je connais des gens qui meurent d'envie de vous rencontrer. Je suis honoré de vous connaître officiellement. Ok, nous voilà donc en liberté dans New York. Oh, ça fait plaisir de revoir cette ville. Ça fait plaisir. Comme je le disais dans l'épisode précédent, ou dans le premier épisode, je sais plus, on le voit qu'il y a un nouveau moteur graphique entre les deux jeux. Et là, ça se ressent bien hein, quand on est dans New York. On sent vraiment bien la différence entre les deux jeux. Et ça fait zizir, évidemment. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos et à lâcher un pouce bleu, c'est ce qui m'aide le plus à avancer sur YouTube, c'est ce qui m'aide le plus à être référencé par le méchant algorithme. Et c'est ce qui m'aide le plus à pourquoi pas un jour vivre de ma passion. Ce serait vraiment formidable et c'est la meilleure aide que vous puissiez m'apporter. Vous pouvez aussi la commenter et la partager, ça m'aide aussi énormément, bien évidemment. Pour ceux qui souhaiteraient être tenus au courant de toute l'actualité me concernant moi et la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, mais aussi à rejoindre mon serveur Discord, où en plus d'être tenu au courant de toute l'actualité en avance, vous pourrez échanger avec ma communauté et participer, pourquoi pas, de temps à autre, un ou deux événements communautaires. Voilà tout. Pour ceux... Non, pas voilà tout, il y a aussi l'instant money. Pour ceux qui voudraient me soutenir d'une manière financière, il y a plusieurs moyens de le faire tout d'abord. En me faisant un don par mon lien PayPal, mais aussi en passant sur le Kazoo Shop, ou encore en utilisant le lien d'affiliation Instant Gaming. Cette fois-ci, voilà tout. En attendant les amis, d'ici le prochain épisode, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, d'ici là, soyez vengeurs, soyez un Avengers, et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos. Bisous.